Ça filme, impeccable. Putain, moi je suis blanc par contre avec Améric, l'éclairage là. Bonsoir tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien. Et putain, comment que ça fait chaud aujourd'hui, c'est un truc de malade. Salut les amis. Je le couperai pas au montage. Mais dingue, genre. Aujourd'hui les gens, on est avec William, on est avec mon frère. Yes, salut tout le monde. Salut, salut. Et c'est vrai qu'une grande question que tout le monde se pose quand même, chaque année qui revient à la même période, comment combattre la canicule? C'est un truc de fou quand même, hein. Mais oui, mais comment? Mais comment combattre la canicule? Explique-nous. Alors, c'est vrai que moi, je m'étais déjà penché sur le sujet il y a déjà quelques temps de ça. Bon, à l'époque, j'avais 10 000 abonnés. J'avais fait un espèce de système avec un ventilateur, des bouteilles congelées, un petit sac poubelle et tout. C'est vrai. Une révolution. Une révolution. Une révolution. Une révolution. Mais c'est vrai que c'est un truc qui dépanne bien, quoi. Bon, à l'époque, c'est vrai que j'avais 10 000 abonnés, c'était un petit peu la misère, quoi. Ça dépanne comme on peut, mon vieux. C'était là qu'il fallait déposer le brevet. Voilà, c'était là qu'il fallait déposer le brevet sur le concept, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui est dans la description. Ça pourrait vous servir en cas de canicule. Bon, aujourd'hui, les gens, on est quand même plus de 200 000 sur la chaîne, hein. On a le droit de se faire plaisir un petit peu. Hein, c'est fini l'époque des ventilateurs avec les sacs poubelles et tout, c'est révolu mon vieux. Aujourd'hui, il est temps de sortir la bête. On l'appelle nouvelle ère. C'est un nouvel ère. Hey, joli jeu de mots. Merci, merci. Il est temps de sortir la bête, The Terminator comme on l'appelle, l'ère glaciale. J'en avais marre, ça fait super chaud chez moi et on va déballer tout ça. C'est la première fois que j'achète un climatiseur. C'est un frigo le bordel, il est ultra lourd, c'est un truc de fou. On va déballer tout ça les gens. Et on va voir un petit peu comment que ça se passe, comment qu'on peut installer tout ça et tout, parce que c'est un truc de fou. Attendez, j'ai pas que ça. Et j'ai également un kit de calfeutrage, parce que c'est un climatiseur mobile. Et en fait ça marche avec un tuyau carrément d'une sortie d'air. Et moi je vais pas percer des trous dans les murs et tout. Donc on va poser un petit kit de calfeutrage pour Velux. Bon les gens, c'est parti, on va ouvrir ça. Et on va voir ce qu'il en est un petit peu. Allez, let's go. On va. Ça va pas tuer là, t'as. Non, t'inquiète pas. Voilà. Ah, impeccable, yes. Aïe. Ça va être vraiment un nouvel air à la maison. Ça va être un truc de fou. Vous verrez comment que ça fait chaud chez moi. C'est un truc de malade. Ah bah, c'est rien de le dire. Je transpire mais à mort, quoi. C'est rien de le dire, ça. Oh là là. Et là on va brancher le frigo, mon vieux. Ça va être un truc de malade, William. Alors surtout les gens, si toutefois vous avez dans le projet de vous acheter un climatiseur, ça en fait c'est comme un réfrigérateur. Quand vous le recevez, il faut tout le temps le laisser reposer 24 heures. Toujours avant de l'allumer. Bon là ça fait au moins 3-4 jours qu'il est là. Ça va le faire. Bon, bien posé. On a le tuyau. Ok, d'accord. Ça fait de la musique. C'est pas mal. Putain, ça fait de la musique. On a inventé un instrument. No fake. No fake. Ah ouais. Bon, on va arrêter de faire les cons avec ça. Voilà. On va pas le casser. Ça. Ça doit être pour la sortie du frigo, sûrement. Du frigo, du tuyau. Ça sent la partie technique, tu sais, genre un petit peu. Ça sent une durite, ça. Ouais, ça sent la durite. Oh, ça sent la durite. Ça. Putain, mais c'est un truc de fou, c'est des Lego, les gens. C'est des Lego, carrément. Ça, c'est le truc pour le calfeutrage. C'est le truc qui va au bout du tuyau, comme ça, je pense. Et qu'en fait, ton calfeutrage, il ira sûrement. Oh, je sais pas, peut-être. Là, ça va. Ça, ah non, ça c'est celui qui sort dehors. Ouais. Ah oui, t'as raison. Ça, c'est celui qui sort dehors. Et ça, c'est peut-être celui qui se branche derrière la clim. Ah ouais, carrément. Tu vois, il y a moyen. Il y a carrément moyen, ça va être comme ça. Bon, on va. Ouh, ça, c'est la prise. Oh, chaud, mon vieux, chaud. On va pas le voler, celui-là. Hein. Voilà, on va pas le voler, celui-là, mon vieux. Non. Ouh, là, William, il va falloir un petit coup de main pour le sortir, peut-être. Si on arrive à le sortir. Il est lourd, hein, que chaud, hein. Oh la vache. Il est lourd. Il est lourd. Je le tiens. C'est bon, c'est qu'il est dans le carton. Je le tiens. Ouais, mais comme ça pèse. Attends, ça pèse. Attends, cochon. Fais gaffe, les caméras. La caméra, on va tout. Oh merde. Oh là là. Oh là là. Tu sens? Tu sens pas la fraîcheur? Vous sentez pas la fraîcheur? Vous sentez la fraîcheur? Il fait déjà bon là. Il fait déjà bon là. Ça y est, j'ai arrêté de transpirer, mon vieux. C'est bon. Fais ça pour pas gagner. Oh là là, je suis défoncé, mon vieux. Putain, mon vieux, moi je vous le dis, ça va être l'Antarctique chez moi avec ça. L'Antarctique, mon vieux. Je vais me retrouver avec une doudoune en plein été chez moi à faire mes vidéos avec un bonnet sur la tête et tout, alors que ça fait 40 degrés dehors. L'âge de glace. Si dans les prochains jours vous me voyez en bonnet, en doudoune, c'est normal, c'est que j'ai allumé la clim. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il est vraiment très stylé. Hein. Eh ouais, ça m'a pris comme ça sur un petit coup de tête. J'ai dit, allez, vas-y, franchement, fais péter quoi. J'en avais marre, la chaleur et tout chez moi, c'est un truc de fou.
On se croirait laisse tomber quoi. Voilà, donc ça ça marche avec du gaz réfrigérant. Regarde ça, on dirait un tableau de bord, mon pote de. Un tableau de bord d'avion de chasse, mon avion spatial. Un vaisseau spatial, le bordel. Comment que ça marche ça? Enfin, demande à Haïti. Ah ouais, ça, ok, d'accord. Tu règles la température? Bah, y'a moyen. Ah ouais. Ah, ça marche direct. Ça marche. L'eau. Med. Height. Ça c'est en fonction de la température. Auto en fait il va s'arrêter dès qu'il fera 20 degrés dans la pièce. Ouais, ça je pense c'est le mode de ventilateur sans la clim. Dry. Putain mais tu partout mon vieux, comme une PlayStation. Bon rien mon vieux. Y'a même un timer et tout. Appuie, t'en fous. Fan. Ah bah si, regarde, il y a une télécommande. Ah bah voilà. Ah bah ouais. Ah les piles à mon avis ils sont pas fournies. Putain. Eh mais ils ont même pas fourni les piles quoi. À chaque fois. Tu te rends compte toi? Chaque fois. Ils auraient pu les donner mon vieux au prix que ça coûte ça. Bah justement, ils veulent pas les donner au prix que ça coûte. Ça, ça va être le kit de calfeutrage. Et en fait, tu fais passer le tuyau, tu ouvres la fermeture et tu fais passer le tuyau dedans. Je vais te comprendre. Et tu refermes. 16, ça commence à faire de l'air frais, 16, hein. Franchement, bien, là. 16, c'est bien. 16, hein. Et franchement, ouais, grave. 7. 7. Ça commence à faire bien frais, 7, là. Franchement, ça, c'est ça, pas mal. Ça commence, ouais. 7. 2 degrés. 2 degrés. Ouais, ah, bah, si, là, si, ça commence à, ça commence à taper quand même. Moins 4. Moins 4. Moins 4, là, ça commence à... Franchement. Là, ça commence à... Ouais. Et franchement, c'est du bon matos. Moins 4, c'est du bon matos. C'est hein. du bon matos. Moins 10. Moins 10. Moins 10, jeune. Ça commence à cailler, là, ça moins va, 10, là. C'est du bon matos. Franchement, c'est du bon matos. Ça marche bien, si vous voulez une clim, celle-là marche très bien. Et franchement. Ouais. Bon, on l'a remonté, les gens, là, je pense qu'on va s'attaquer un petit peu au montage du calfeutrage. On va vous montrer tout ça bien tranquillement. Et on va tester ça. Allez, c'est parti. À l'heure, disons que à l'heure. Ouais. 2500 watts. Putain, ouais, tu m'étonnes. Va falloir que je fasse un partenariat avec EDF. EDF, si vous nous regardez, on demande un petit partenariat. Non, parce que 2500 watts à l'heure, ça commence à causer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Va falloir que j'ouvre un Tipeee pour payer les factures d'électricité. Cochon. Oh, quel cochon. EDF, si vous nous regardez. Vous nous devez bien plus que la lumière. Vous nous devez bien plus que la lumière. C'est pas ça le sponsor de la pub là? Le slogan? Hein? Ah, alors. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Hein? Là, c'est tout collé. On a tout collé. C'est nickel. Et du coup. Bah là maintenant. Mais tu crois pas qu'il y a un auto scratch? Il y a un mec là, William? Un ouvrier. Hein? Ouais, le délire. Hein, il compte les poils que j'ai sous les bras là. Hein. Vous pouvez pas les compter. Hein? Il y en a bien assez pour tout le monde. Oh, je te fais pas compter les miens, mon vieux. Il y en aura bien trop. Bah, c'est pas mal là comme ça, regarde. C'est pas mal. Hein? Est-ce que je vais pouvoir fermer le Velux une fois qu'il y aura le scratch? Bah justement. Et là, admettons si on le ferme un peu, mais sans. Tu sais. Voilà. Sans le fermer entièrement peut-être. Là, il faut faire comme ça. Ouais. Et en fait, si tu veux, il faudra tout le temps le. Tu vois? Ouais, juste en fermant comme ça, c'est bon. Et déjà, si tu veux. Vas-y, non, ferme ton Velux comme ça, mais ferme-le entièrement. Entièrement? Oui. Ouais, ça enlève les. Ouais, je pense pas. Grave. Oui. Putain, il y a un pigeon sur mon Velux là. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Et tout à l'heure, quand t'as fait. Salut tout le monde, c'est Jonathan. Il s'est envolé, mon gars. Ouais, non, mais des fois, j'arrive comme ça, des fois, et des fois, je fais. Crac, j'ouvre le Velux d'un coup, mon vieux. T'en as 3-4 là qui s'envolent. Clac, 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 clac. Écoute bien le truc. Tu peux le mettre comme ça, ça sort dehors là. Écoute bien la table. Ouais. Là, je suis en mode fan. C'est ventilation. Ouais. Si je suis en mode cool. En mode cool. Ah ouais, ah bah ça sort dehors. Hein. Tu peux mettre ta main de. Tu peux ouvrir le truc là et puis. Ouais, mais je veux pas l'ouvrir. Hein. Ah, mais si tu l'ouvres, il tombe pas de toute façon. Ouais. Mais tu peux mettre ta main devant, ça sort du chaud. C'est le moteur là. Mais là, ça. Il est réglé à combien de degrés là? Là, il est à 23 normalement. Regarde la table. Ouais. Je viens de me mettre sur cool. Regarde comment que le froid il est plus frais. Ouais. Et ouais, mon gars. Et ouais. Ouais. Froid, ça... Et ça fait frigo là du coup. Ah ouais, ça fait frigo. Si je rappuie là, mode dry. Dry, c'est quoi? Dry, c'est genre déshumidification. Ouais, ça fait de l'air sec quoi. Mais regarde, en mode fan. En mode fan, c'est le ventilateur. Que le ventilateur, écoute le frigo. Hop. Ouais. T'as vu? Ouais, c'est que le ventilateur. Donc là, en cool, en fait, tu tires sur c'est la clim. Voilà, voilà. Voilà. Mais là, quand je l'allume comme ça, il consomme pas 2500 watts quoi, quand je l'allume en fan, en ventilateur. Je pense pas, hein. Ah non, mais c'est déjà pas mal en ventilateur. Bon les gens, on va s'arrêter là. Faut encore que j'apprenne un petit peu à m'en servir de cette bestiole. Mais ça marche déjà plutôt bien. Je suis bien satisfait pour le moment. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Enfin, on vous dit avec William. Voilà, il est là. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.